Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en Arrière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu un peu particulier et nous allons aller sur le Mega CD. Vous remarquerez que depuis que j'ai découvert le Mega CD et comment l'enregistrer, je m'amuse un peu avec. Et nous allons parler de Night Trap, un grand jeu, un film interactif en quelque sorte, où notre but est de sauver plusieurs donzelles qui se retrouvent dans une maison où beaucoup d'autres jeunes filles ont disparu avant elles. Notre but à nous, c'est de les sauver et d'empêcher qu'elles se fassent toutes tuer. Et de comprendre ce qui se passe dans cette fameuse maison. Mais on ne va pas y aller avec un flingue ou quoi que ce soit. On va être tranquillement derrière notre écran, à surveiller le tout via des caméras de surveillance. En plus, je vous ai retrouvé la version française. Poste de contrôle des groupes d'attaque, mission SCAD-230. 5 adolescentes ont disparu après avoir passé la nuit dans la vieille maison vinicole du lac, chez monsieur et madame Victor Martin. Tout a été adapté en français, parce que Victor Martin... et Sarah. Ok, d'accord. En ce moment, 5 autres filles se rendent chez les Martins pour y passer la nuit. Votre mission? Qu'elles ne connaissent pas le même sort que les autres filles. Bah ça c'est pas gagné. Alors, avec moi. Bien. Hier soir, un de nos agents a découvert un système de sécurité étrange. Des caméras cachées dans presque toutes les pièces et une série de pièges. Notre agent a relié un câble au système de sécurité. Ah, oh, il est fort cet agent. Pour contrôler les caméras et les pièges avec cette télécommande. Oui, ça s'appelle une manette. Utilisez ces pièges pour capturer tous ceux qui sont susceptibles de mettre la vie de ces filles en danger. D'accord. Mais attention, ne piégez pas quelqu'un que vous êtes censé protéger. Bah, ça, c'est pas gagné avec moi. Hein. Un petit problème. Oui. Les pièges sont protégés par un code d'accès. Oh, bah ça va. Ils ne marcheront que si vous entrez le bon code. En ce moment, ce code est réglé sur bleu. Et voilà. Vous contrôlez les pièges. Mais n'importe qui dans cette maison peut changer ce code, n'importe quand. Alors faites bien attention à ce qui se dit. Ça va être pratique, ça. Le câble est ici, dans le hall. Il est bien visible, le câble. Vous perdez le contrôle pour de bon. Eh ben. Voici mon groupe d'attaque. Ah, ils ont l'air bien. Et voici Kelly, un de mes meilleurs agents. Ah, Kelly. C'est Dana Plato, la regrettée Dana Plato, qui interprétait la fille de Monsieur Drummond dans Arnold et Willy, la vieille série des années 80. Si vous n'êtes pas assez malin ou courageux pour cette mission, laissez le contrôle à quelqu'un qui a de la trempe. Les filles viennent probablement d'arriver. Ok, ça marche. Vous perdez du temps. D'accord, d'accord, j'arrive. Tu m'as emmené ici uniquement parce que maman t'y a forcé. Donc voilà. Je peux choisir en fait les différents endroits que je veux regarder. Ah bah voilà. Ok. Salut. Ah, j'avais tellement peur que vous ayez décidé de ne pas venir. Oh, ça aurait été dommage. Non, j'ai attendu ce week-end pendant toute la semaine. C'est magnifique avec ce lac. Oh oui, c'est superbe. Ah non, c'est juste un marécage. Salut, Megan. Oh, venez tous, je vais vous présenter mes parents. Ce serait dommage de louper ces séquences. Donc voilà, des adorables nouveaux amis. Bienvenue dans notre petit refuge. Papa, je te présente Cindy. Cindy. Bonjour. Ashley. Bonjour. Bonjour. Megan. Salut. Salut. Lisa. Lisa. Et son petit frère Danny. Ça va? Et... Oh, Kelly. Enchanté, monsieur Martin. Je vous en prie, appelez-moi Victor. Ils ont pas l'air très nets, hein. Bon, et moi, je sais déjà ce que... Je connais déjà l'histoire, donc. Venez, rentrons à la maison, voulez-vous? Oui, très bien. Du coup, je vais changer de caméra. Oula! Là, vous voyez, il y a des créatures qui traînent et donc je peux activer les pièges quand la barre est... Où sont-ils allés? Ah bah, quoi? Do you speak English? Oh non, merci. Dommage. Oh là là, les dialogues ringards. Je dis pas vraiment un grain. Et contrôle, fous la maison. D'accord, d'accord, je regarde. Je vais voir ce qui traîne. Un autre réfrigérateur. Pourquoi est-il fermé à clé? Danny! On va regarder si je vois encore d'autres bestioles. Ah!
Ah, ils ont changé le code d'accès, certainement. Dommage. Donc j'ai loupé, vous voyez, j'ai loupé. Il y a dû avoir un changement de code d'accès. Et donc, maintenant, je suis coincé. Ah, on va voir si c'est rouge. Vite, la salle de bain. Il n'est pas dans la salle de bain ? Ah zut, je l'ai loupé. Ah, on va voir si c'est rouge. Ah, punaise, mais il se déplace trop vite. Drôle d'équipe. Ah, oh. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me méfie de cette Kelly. Intuition féminine, je suppose. Victor, monstre. Pour être plus tranquille, demandons aux garçons de changer le code. Oui, très bien. Dis-moi, quel est le code ? Où sont-ils ? Vite. Oh ! Ah. Ah, mais oui, mais si j'ai pas le bon code, ça sert à rien. Oh là là. Et puis, il y a des bestioles partout, maintenant. À rouge. T'inquiète pas, maman. Ah. C'est dans la poche. Rouge. Bonne chasse. J'ai entendu rouge. C'était, bon. C'était coupé, mais... Allons tout préparer. On va voir si ça marche. On va voir si je peux trouver une bestiole. Il y a trop de bestioles. Il y en a 26, j'en ai 4. Quel pourrait-il avoir ? Viens, chérie. Ah. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu a eu droit à une remasterisation qui est sortie il y a peu de temps sur PS4, Xbox One et même PC. Il y a juste un côté qui est dommage. C'est que, en fait, il n'y a pas eu la version française qui a été rajoutée. Et c'est dommage, elle est tellement pourrie, cette version française, elle mériterait d'y être. Ah ! Ouais, super, elles font la fête ! Et c'est ce genre de choses qui peut nous distraire, malheureusement, pendant qu'il y a des créatures qui se déplacent ou des codes qui sont changés, vous voyez ? Bah, d'un autre côté, on n'a que ça à regarder pour l'instant. Oh là là ! Oh, regardez ! C'est trop drôle ce qu'elle fait ! Ah là, il y a le gamin qui part. Faut regarder où il est. Faudrait pas qu'il se fasse buter. Un beau côté pétrange dans le coin. Je vais voir ça de plus près. Silence radio jusqu'à mon retour. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Lui, c'est un gentil, on va pas le déclencher un piège sur lui. Ça y est, elles sont en train de chanter. Elle chante la chanson Night Trap, totalement en adéquation avec le truc. Bon, moi, pendant ce temps, vous voyez, je suis distrait par les filles. Ah, attendez. Où c'est qu'ils vont ? Le problème, c'est que je... Ah. Est-ce que lui, je vais pouvoir l'avoir ? Oh là là, je suis en train de... Ah. Ah, j'ai loupé quelque chose. Bon, elle s'éclate. Winston. Réception net. Jason. À vous, Jason. À toi, Jason. Ah, attendez, on va peut-être pouvoir en avoir un. On va voir si j'ai toujours accès. Ouais. Super. C'est toujours sur rouge et j'ai réussi à en avoir deux de plus. Donc c'est pas super passionnant. C'est vrai qu'on passe son temps à zapper d'une caméra à l'autre, mais pour l'époque c'était révolutionnaire parce que c'était tout en... Bon déjà c'est vrai que niveau couleur c'est pas top, je le reconnais, mais c'est pas grave. En lui-même c'est un jeu, enfin un non-jeu.
qui est relativement amusant à faire. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, vous deviez protéger Kelly et les autres filles. D'après ce que je viens de voir, l'endroit est complètement envahi. Ah bah oui, vous avez raté bien trop de ces buveurs de sang. Jusqu'à ce que vous appreniez à faire votre boulot, vous êtes viré. Fin de contact. Ah, ok. Ah, c'est sympa ça, dis donc. Il m'a déconnecté. Oh, bah tout ça parce que j'en ai laissé trop passer. Bah j'y peux rien, moi, je vous avais dit que j'étais pas doué. Bon, bah voilà. C'est donc, puisqu'on m'a laissé... J'ai été viré. Donc, sur ce licenciement abusif, je suis obligé de vous quitter. Donc voilà, c'était Night Trap sur Mega CD. À l'occasion, si jamais il sort avec une VF et pas trop cher sur Steam, je vous proposerai de faire peut-être la version PC qui est ressortie. Mais c'est pas gagné, hein, pour l'instant il n'y a pas la VF. Allez, on va se quitter sur ce magnifique titre Night Trap, interprété par je ne sais qui. Et en attendant de se retrouver pour une prochaine émission, prenez bien soin de vous, surtout jouez bien, et à la prochaine. Ciao !